Le tournoi 7 de cœur soufflait sa quatrième bougie ce week-end à Versailles. Cette année, 30 équipes de rugby à 7 se sont affrontées sur le terrain du stade Porchefontaine pendant 2 jours. Objectif de ce tournoi amical, récolter des dons profits de 5 associations. Les équipes ne payent pas de droits d'inscription et elles doivent collecter pour des associations. Il y a 5 associations présentes et on reverse chaque année plus de 30 000 euros à ces associations grâce à cet événement. On a couplé l'événement avec d'autres animations pour amener le plus de monde possible et que tout le monde passe un bon moment ici. Un cinquième des dons sera redistribué à l'association Syndrome Kabuki. Cette maladie génétique rare se caractérise par de multiples anomalies squelettiques et un léger retard intellectuel. Ce syndrome touche près de 160 enfants en France. L'argent récolté pendant cette opération permettra de financer des programmes de recherche. Pour nous, effectivement, c'est une énorme rentrée d'argent puisque nous n'avons pas de subvention de l'État. Nous fonctionnons uniquement avec les dons et les cotisations des membres. Donc c'est vrai que le tournoi nous apporte énormément, entre un tiers et 50% des dons annuels. Sur le terrain, les rugbymen jouent pour les associations mais également pour juger leur niveau. Cette année, les Galactics 7 ont remporté la coupe en battant en finale les Timbales Chevrotines sur le score de 40-5. On le fait depuis 4 ans. Et d'année en année, ça prend en volume. Les équipes sont de plus en plus fortes et on se retrouve tous. C'est toujours sympa de se retrouver ici. Et donc que du plaisir. Il y a un vrai niveau de jeu. Et il n'y a pas que des spécialistes du 7, mais il y a du beau monde. Au total, le tournoi 7 de cœur a permis de récolter près de 30 000 euros. Une nouvelle édition est déjà programmée pour l'année prochaine.